Bonjour, je suis accompagné de Monsieur Stéphane Brault, qui est le vice-président du Canadian Franchise Association. Monsieur Brault, vous êtes ici au premier congrès international de la franchise où vous avez été animateur. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous a amené. Vous avez gagné le prix Hommage également lors du gala en 2005. Et on vous connaît comme étant un des premiers pionniers dans le domaine de la franchise au Québec. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir les cafés bistrot Vanout hors Québec bientôt? Non, pas vraiment, pas nécessairement. On est en réflexion sur l'expansion de notre chaîne. Là, on se concentre au Québec. Puis l'expansion à l'extérieur, c'est toujours une grande aventure. Puis en même temps, il faut y penser, puis il faut mettre beaucoup de ressources. Et puis avec nos nouveaux propriétaires, je pense qu'on est mieux d'aller étape par étape. Vous êtes un administrateur dans le CFA et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre rôle d'administrateur. On est chanceux à l'Association canadienne parce qu'on a une belle permanence. Donc, on a une organisation qui est assez stable et puis qui est quand même bien montée. Un des rôles principaux, et ça, c'est dans mon mandat, moi, je me suis donné là-dedans, c'est de s'assurer que le Québec est bien représenté au niveau du Canada. Souvent, on est comme perçu comme très différent, mais dans le fond, à part la langue puis des éléments de culture, les problématiques sont les mêmes. Alors, je me dis, je suis aussi bien qu'on peut orienter le futur de l'association, développer des services aux membres, ajouter de la valeur pour les membres qui sont avec nous là, depuis des années. Donc, c'est un peu le rôle qu'on a dans ça. Je suis accompagné de gens ici, de deux autres personnes du Québec, puis on a un conseil de 15 personnes au total. On a eu rumeur, on a eu vent que vous allez devenir le président du CFA et aussi vous êtes le premier Québécois dans cette association. Disons que ce n'est pas une rumeur, là, ça va être vrai. Au printemps, il va y avoir une assemblée générale lors de notre congrès annuel. Et effectivement, je vais prendre le rôle là, pour les deux prochaines années. Bien, merci beaucoup, monsieur, d'avoir été le pionnier lors de ce premier congrès international des franchises. Merci. Merci beaucoup.